Monsieur, bonjour. Il est utopique d'envisager le développement de communautés du monde ainsi que de nations sans l'implication de la femme, a martelé Denise Onyekuru Tshisekedi à la 3e édition du Forum économique Turquie-Afrique. La première dame de la République démocratique du Congo a axé son intervention sur l'entrepreneuriat féminin. C'est connu, les élections de gouverneur auront lieu selon le calendrier publié par la CENI le 3 décembre 2021. La province de l'Ituri, sous état de siège, n'est pas concernée. Mesdames et messieurs, voici tout pour les titres. Encore une fois, bonjour. Qui a détourné les primes de joueuses de Léopard Dame au football? La question a été évoquée au cours du dernier conseil de ministres. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a instruit l'IGF pour enquêter. On écoute ici le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya. Le président de la République a appris avec indignation le soupçon des détournements de la prime de qualification allouée aux joueuses de l'équipe féminine de football de la République démocratique du Congo pour la deuxième phase de la Coupe du Monde des leaders U20 prévue au Costa Rica en 2022. Il a souligné qu'un détournement des fonds destiné à motiver ces footballeuses qui représentent notre pays dans une compétition internationale est un acte répréhensible qui mérite d'être sévèrement sanctionné. Le président de la République a instruit l'inspection générale des finances, toutes affaires cessantes, de faire la lumière sur cette situation, d'établir les responsabilités afin de saisir la justice qui doit infliger des sanctions appropriées et exemplaires aux responsables de cet acte ignoble. Dans le même esprit, il a invité les ministres des Sports et Loisirs à prendre des mesures conservatoires ainsi que des dispositions idoines pour que pareil acte ne se reproduise plus. Il devra également faire un rapport sur le dossier lors de la prochaine réunion du Conseil des ministres. Le gouverneur de province appelé à faire développer leurs entités, des instructions claires leur ont été données par le chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukoundé Kiengé. C'était autour d'une réunion à l'hôtel du gouvernement où tous les gouverneurs de province ont pris part. Patrick Tondouango. La maximisation des recettes au niveau des provinces s'avère nécessaire pour booster l'économie de la République démocratique du Congo. Les lancements des travaux d'investissement du gouvernement dans les 145 territoires, il en a été question lors de la réunion que le Premier ministre a eue avec les gouverneurs des 26 provinces de la République démocratique du Congo ce samedi 23 octobre à l'immeuble du gouvernement. Jean-Michel Samaloukoundé Kiengé a à l'occasion instruit les gouverneurs des provinces de travailler de manière à développer leurs entités afin de faire bénéficier à la population des ressources du pays. C'est un grand projet qu'on n'a jamais entendu, mais qui va se matérialiser. Il a parlé de la maximisation de recettes. Quand il n'y a pas maximisation de recettes, on ne sait pas payer. Donc s'il a payé, parce qu'il a maximisé les recettes. Et nous sommes en train de suivre son pas. Nous allons aussi booster nos économies au niveau des provinces afin que cette maximisation ne reste pas seulement au niveau national. Ça doit aller aussi au niveau de la base telle qu'il le veut. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Fifi Masuka Saini, gouverneur à Idulualaba, a en outre loué les efforts du chef du gouvernement dans les paiements des arriérés des autorités de l'exécutif provincial. Il a trouvé de mois et de mois d'impaiement. Nous avons tous suivi qu'à ce jour d'aujourd'hui, il a fait pratiquement 6 mois, mais il a déjà payé 5 mois. C'est une première pour les provinces, pour les assemblées provinciales. Le souci de Jean-Michel Samaloukoundé Kiengé, c'est le développement à la base des entités territoriales. La mise en place d'un cadre légal dans la lutte contre la corruption, c'est l'une des recommandations des États généraux de la lutte contre la corruption clôturée hier samedi 23 octobre. Clôture ce samedi 23 octobre 2021 des États généraux des luttes contre la corruption en République démocratique du Congo, organisée par le ministère de la Justice. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, représentant personnel du chef de l'État, fait savoir à l'assistance que les recommandations issues de ces assises sont déjà parvenues au magistrat suprême. Il est vrai qu'en définitive, la lutte contre la corruption doit être l'affaire de tous, du sommet à la base.
le chef de l'État, à qui je réitère mes hommages les plus déférents, est profondément convaincu que c'est à ce prix seulement que nous pourrons sortir notre pays des maux qui le rongent pour le rendre un État prospère où il fait beau vivre. De son côté, la ministre d'État en charge de la justice, Rose Mutombo, a invité les hauts magistrats à prendre conscience de la noblesse de leur profession en se débarrassant de toutes sortes d'antivaleurs. Vous vous êtes répartis en trois groupes selon la dialectique prévention, diagnostic et répression. La prévention, autant que la répression, tel est mon vœu, ne doivent plus demeurer de simples vues d'esprit. Au nombre des recommandations issues de ces travaux figure entre autres l'actualisation au Parlement du cadre légal anticorruption pour le conformer aux instruments juridiques régionaux et internationaux auxquels la RDC a adhéré. Notez aussi que le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères, Christophe Lutundula, séjourne à Bruxelles. Sur place, il a échangé avec le président de la région de Bruxelles au menu de questions liées à l'agriculture, à l'enseignement ainsi que d'autres sujets d'actualité. Après la ministre belge de la coopération, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a fait les déplacements de Namur, capitale de la région wallonne, pour un déjeuner de travail en bilatéral avec le ministre président de la Wallonie, Elio Di Rupo. Accueil, présentation des civilités, les deux personnalités ont plongé dans un dialogue qui a fait le tour d'horizon de la situation politique, sécuritaire, enjeux économiques et de la situation sociale en République démocratique du Congo. La question de la CENI, les élections n'ont pas été oubliées. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a rassuré le ministre président de la sérénité politique et des efforts que ne cesse déployer le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour faire de la RDC un pays fort, prospère, où règne la paix. La gratuité de l'enseignement, la santé universelle accessible à tous, ainsi que les infrastructures, sont là les différents projets du gouvernement de la République, a expliqué à son interlocuteur, le chef de la diplomatie congolaise. Attentivement, il a suivi son note. Le ministre-président Elio Di Rupo a remercié le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo. Il a promis sa disponibilité d'aider la République démocratique du Congo sur ses priorités. Christophe Lutundula a proposé trois axes prioritaires sur lesquels la commission mixte devra se pencher. Il s'agit de l'agriculture, la valorisation de la femme rurale ainsi que l'appui aux institutions provincial. L'homme d'État belge a promis de s'impliquer personnellement pour la réalisation de ce projet et a dit venir en visite en RDC mi-novembre pour témoigner la foi de la Belgique en l'avenir de la coopération belgo-congolaise. Revenons en RDC pour parler de John Tibasi Mabai Muka, ce chef rebelle en Ituri, sème la terreur. Il vient d'être arrêté par les forces de l'ordre. Il est le cerveau moteur de plusieurs groupes armés et a été présenté le vendredi dernier au gouverneur de la province. Voici ce que ça donne lorsqu'il y a complicité entre l'armée régulière et la population dans les provinces sous état de siège. Candidat malheureux aux dernières élections législatives, cet homme est un cerveau moteur des groupes armés actifs en Ituri. Tibasi Mabai Muka, c'est son nom. Il avait pour visée de fédérer tous les groupes armés en Union nationale pour le changement intégral afin de continuer à commettre des forfaits. Cela avait comme objectif déstabiliser la province de l'Ituri. Cet incivique et terroriste des grands chemins a été présenté au gouverneur militaire de la province de l'Ituri, le lieutenant-général Johnny Luboyankashama. Cela montre la détermination du commandant suprême des forces armées, ici en Ituri, matérialisé par le gouverneur militaire, de fouiller des coins et le recoin de l'Ituri pour imposer l'autorité de l'État et restaurer la paix en Ituri, conformément à l'esprit de l'état de siège. Il est connu de tous dans son intention de nuire l'Ituri, de combattre les intérêts vitaux de la République. Il était là pour créer un mouvement
Union nationale pour le changement intégral. Et aujourd'hui, votre armée vient de maîtriser ce messier. Cette énième arrestation des criminels, bandits, amis armés et membres influents des groupes armés actifs en Ituri, constitue un signal fort de l'engagement pris par le président de la République et commandant suprême des forces armées, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, une vision qui est traduite en Ituri par le lieutenant général Johnny Luboyankashama dans la restauration de la paix et de l'autorité de l'État. La République démocratique du Congo s'engage à lutter contre l'apartheidie sur son sol. Un atelier organisé à ce sujet a réuni les experts et députés de la Commission des droits de l'homme pour sortir un plan d'action à soumettre au gouvernement. Cet atelier ouvert par le PCA de la Coalition des femmes pour la paix et le développement, CFPD, Georgette Biébié, vise à renforcer les capacités des structures féminines dans la gestion organisationnelle et le travail en réseau. Aussi, les plaidoyers à mener auprès des autorités locales dans les 6 provinces de la RDC, Congo central, Équateur, Kwilu, Kwango, Maïndombe et la ville-province de Kinshasa. C'est dans le souci d'améliorer la présence des femmes dans les mécanismes locaux et nationaux de prévention et de résolution des conflits. Il avait été recommandé que les femmes puissent travailler en réseau, donc voir comment constituer des réseaux pour que le travail des femmes soit visible, comme on dit, l'union fait la force. Fédérer nos idées pour qu'ensemble les femmes puissent faire avancer la protection de leurs droits, la promotion de leurs droits et puis la participation citoyenne là où on prend des décisions. Le travail en réseau, en synergie, c'est un travail qui aide à ce que chacun des intervenants, chacune des intervenantes donne de son mieux, fasse de son mieux pour que nous puissions arriver à de bons résultats. Il s'y est de rappeler que cet atelier s'inscrit dans le cadre d'un projet programmé par le Forum des femmes régionales sur la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies, lequel programme vise à vulgariser les 25 indicateurs de la dite résolution. La CENI affiche désormais complète. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a publié le vendredi dernier l'ordonnance validant l'entérinement de membres de la Commission nationale électorale indépendante avec à sa tête Denis Kadima. Qui est-il exactement? Notre confrère Jean-Pierre Ndolodé Mazou nous brosse ici son portrait. Né le 21 décembre 1961, le successeur de Corneille Nanga, Denis Kadima, était jusqu'à la publication de l'ordonnance du chef de l'État, directeur exécutif de l'Institut électoral pour une démocratie durable en Afrique, ancien directeur du référendum et élection de l'ONU au Soudan de juillet 2010 à mars 2011 et conseiller technique principal du PNUD en Tunisie d'avril à juillet 2011. Denis Kadima est licencié en sciences politiques de l'université de Lubumbashi. En outre, il détient un master en sciences politiques et un diplôme post-universitaire en administration des affaires de l'université Witwatersrand à Johannesburg en Afrique du Sud. Expert en élections démocratiques et bonne gouvernance et doté de plus de 30 ans d'expérience professionnelle, l'actuel président de la CENI a à son actif des compétences solides dans les domaines de leadership, la planification stratégique, la conception et la direction des programmes, pour ne citer que ces quelques domaines, la liste n'étant pas exhaustive. Il a à son actif plusieurs réalisations. En tant que directeur de l'EISA, il a monté une stratégie qui a fait grimper le revenu annuel moyen de l'Institut électoral à 12 millions de dollars américains. Denis Kadima promet de renforcer l'indépendance, l'impartialité et la transparence de la Commission électorale nationale indépendante. Parlons encore de la CENI avec les élections de gouverneurs dans les provinces concernées qui ne vont plus tarder. C'est le 3 décembre 2021 que ces élections auront lieu à l'exception de l'Ituri, encore sous état de siège. La CENI ainsi vient de publier le calendrier. Les détails dans ce reportage.
C'est à l'issue d'une réunion de l'Assemblée plénière de la CENI ce vendredi 22 octobre 2021, sous la présidence du président du bureau, Corneille Nangaa Yobelou, qu'un calendrier de l'élection partielle des gouverneurs et vice-gouverneurs a été publié pour les gouverneurs et vice-gouverneurs pour les provinces du Bazouéli, du Olomami, du Kasaï central, du Kasaï oriental, du Congo central, de l'Omami, de Maïndombe, du Maniema, de la Mongala, de Tanganyika et de la Tchopo, ainsi que l'élection des vice-gouverneurs de Kinshasa et Kwango, avec la séquence des activités opérationnelles subséquentes suivantes. Du 25 au 31 octobre 2021, dépôt des candidatures auprès de la représentation provinciale de la CENI. Du 1er au 5 novembre 2021, ajout, retrait ou substitution des candidatures. Du 6 au 7 novembre 2021, transmission des dossiers physiques des candidats au bureau de la CENI et délibération en plénière. Le 8 novembre 2021, publication de la liste des candidatures recevables et non recevables. Du 9 au 10 novembre 2021, dépôt des candidatures en contestation des listes des candidatures devant les cours d'appel des provinces concernées. Du 11 au 17 novembre 2021, traitement des contentieux des candidatures par les cours d'appel. Le 18 novembre 2021, notification des arrêts des cours d'appel à la CENI. Le 19 novembre 2021, publication de la liste définitive des candidats par la CENI. Du 19 au 28 novembre, accréditation des témoins, observateurs et journalistes au secrétariat exécutif provincial de la CENI des provinces concernées. Du 28 novembre au 7 décembre 2021, interaction avec les assemblées provinciales. Du 29 novembre au 1er décembre 2021, campagne électorale. Le 3 décembre 2021, vote des gouverneurs et vice-gouverneurs par les députés provinciaux et annonce des résultats provisoires par la CENI. Du 4 décembre au 12 décembre 2021, dépôt des recours en contestation des résultats devant des cours d'appel. Du 13 au 20 décembre 2021, traitement des contentieux des résultats par les cours d'appel. Le 21 décembre, publication des résultats définitifs par les cours d'appel. Du 22 au 24 décembre 2021, notification des arrêts des cours d'appel à la CENI. Le 27 décembre 2021, transmission des dossiers physiques des candidats élus à la présidence de la République pour investiture. Notons que l'élection du gouverneur vice-gouverneur de la province d'Ituri interviendra après l'état de siège. Parlons environnement à présent avec le parc Kundelungwe Upemba qui font l'objet de spoliations, des activités illégales. Ils sont organisés, dépossédés de leurs champs. Les populations font l'agriculture dans le parc. L'ASBEL Justicia a publié un rapport qui démontre de graves risques de perte des espèces animales. Des graves menaces de destruction et des actes de spoliation pèsent sur deux parcs nationaux, Upemba et Kundelungu, au Okatanga, Olomami et Lualaba. Ce rapport publié par Justicia accuse les opérateurs économiques d'exercer des activités illégales. Ils ont déplacé des bornes, donc ils sont entrés au-delà où ils sont entrés dans les parcs. Donc il y a même des routes, des petits sentiers menant dans les parcs, qui ont pratiquement été barricadés parce que la ferme y a érigé un mur, vraiment un mur en béton. Timothée Mbouya, président des Justicia, dénonce la construction au parc national Upemba d'une centrale hydroélectrique, ce qui constitue une destruction de l'environnement. Les espaces qui leur étaient dédiés pour le champ ont été presque dépossédés dans ce sens que ces espaces ont été concédés à des grandes fermes. Donc pour ces habitants, les habitants de ces villages, ils n'ont presque plus d'endroits où pratiquer l'agriculture, presque plus d'endroits où pratiquer l'élevage, et par conséquent, ils sont obligés de se rabattre sur les parcs. Les populations riveraines également exercent des pressions sur la faune. Le monitoring de 6 mois effectué sur les 2 patrimoines universels note le braconnage, le feu de brousse incontrôlé et l'exploitation illégale des minerais.
Dans ce journal, nous parlons aussi du panel des ministres africains du commerce extérieur sur les investissements et échanges commerciaux. Le ministre du commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, a pris part à ces assises. Objectif, créer et renforcer les relations d'investissement et des échanges commerciaux. Les détails dans cet élément de reportage. Le troisième forum économique et d'Afrique, Turquie-Afrique, est une occasion pour le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa Tongwa, d'échanger avec les investisseurs. Au cours d'une entrevue avec les représentants de la société Ad Ibrahim, une société turque qui a une expérience des 109 ans, le ministre du Commerce extérieur était attentif lors des échanges avec ses interlocuteurs. Il s'agit des industriels qui sont dans le secteur pharmaceutique. Et comme vous savez, notre pays importe pas moins de 500 millions de dollars l'an de produits pharmaceutiques. Le défi est que l'on puisse offrir suffisamment de produits pharmaceutiques au pays. Mais l'autre défi, et donc l'enjeu le plus important, c'est pouvoir réduire le volume d'importation de ces produits dont le montant, j'ai dit tout à l'heure, s'élève à plus ou moins 500 millions de dollars l'an. Et avec Abdi Ibrahim, nous avons convenu que donc, dans un premier temps, ils vont étudier le marché. Ces Turcs exportent plus de 400 produits dans 60 pays et ont également 4600 employés. Jean-Lucien Boussa invite ses investisseurs en République démocratique du Congo pour créer des emplois. Les ministres félicitent cette société qui produit et développe les produits. La première dame de la République démocratique du Congo, Denise Onyekuru Tshisekedi, est également en Turquie où elle a pris part le vendredi dernier à la troisième édition du Forum économique Turquie-Afrique dans la ville d'Istanbul. Son intervention du haut de la tribune de ce forum était axée sur l'entrepreneuriat féminin. Il est utopique d'envisager le développement de communautés ainsi que de nations sans l'implication de la femme, a-t-elle martelé. Ovationné, Denise Onyekuru Tshisekedi est invitée à prendre la parole aux travaux du 3e Forum économique et d'affaires Turquie-Afrique. Du haut de la tribune de ses assises, la première dame de la République démocratique du Congo s'est faite comme elle en a pris l'habitude, messagère de la cause de la femme en général et de la Congolaise en particulier. Autour de la question du leadership féminin, Denise Onyekuru Tshisekedi y apporte sa contribution. Le leadership féminin est un levier pour l'épanouissement économique de la femme et aucun pays ne peut se bâtir sans son apport. La République démocratique du Congo, pays d'Afrique centrale, deuxième plus grand pays d'Afrique, aux richesses inestimables, est une opportunité d'investissement pour tous et particulièrement pour toutes les femmes entrepreneuses de la Turquie et du reste du monde, présentes ou non à ce forum. Les réformes, autant sur le plan du droit des femmes que sur le climat des affaires, en font une destination que le peuple turc devrait absolument envisager. Une conviction de la First Lady, soutenue par le rôle que joue la femme au quotidien dans la société. C'est la part de sa gestion de la famille et celle des crises comme plus récemment la Covid-19, en plus de sa présence, plus que grandissante dans la sphère de prise des décisions. L'épouse du chef de l'État a justement fait mention de la RDC qui compte près de 30% des femmes dans le gouvernement actuel et autres institutions publiques. Ambassadrice de la République démocratique du Congo à l'extérieur du pays, Denise Onyekuru Tshisekedi en porte aussi la casquette. Le dialogue Turquie-Afrique sur le leadership des femmes a donné l'occasion à l'épouse du chef de l'État de présenter les opportunités d'investissement qu'offre la RDC. Il est presque utopique de s'imaginer un quelconque développement de nos communautés sans une implication active de la femme, sachant que cette dernière est particulièrement réputée meilleure gestionnaire dans les affaires. La première dame turque, Emine Erdogan, a salué l'implication de l'épouse du chef de l'État dans l'amélioration des conditions des femmes en RDC, qui ouvre la voie aux possibilités de connexion entre le monde des affaires turques et autres pays pour la République démocratique du Congo. Denise Onyekuru Tshisekedi quitte Istanbul avec la certitude d'avoir joué sa partition à ce forum.
Au chapitre de l'économie, parlons de la République démocratique du Congo et les Émirats arabes unis qui s'engagent sur une voie commune et c'est dans le but de faciliter des investissements et coopération au développement. La NAPI et l'agent des Émirats arabes unis ont signé un mémorandum d'entente à Dubaï. La République démocratique du Congo et les Émirats arabes unis sont désormais engagés sur la voie d'une collaboration économique de grande envergure. En marge de la participation de la RDC à l'Expo 2020 Dubaï, l'Agence nationale pour la promotion des investissements de la RDC à NAPI et son semblable des Émirats arabes unis, la DIDA, ont signé un protocole d'accord de collaboration qui établit les principes et la base d'une coopération technique et commerciale accrue entre les deux institutions. Cet accord vise, entre autres, les renforcements des liens économiques d'affaires entre la RDC et les Émirats arabes unis, notamment au niveau du secteur privé des deux pays. Anthony Kinzo-Kamole, directeur général de la NAPI, et Fahad Al-Jergawi, directeur général de l'Agence de développement des investissements de Dubaï, se sont engagés au nom des deux pays à encourager, promouvoir et faciliter les investissements et la coopération au développement entre leurs communautés d'affaires dans l'intérêt mutuel des deux parties et conformément aux lois et règlements de chaque pays respectif. Aussi d'échanger des informations économiques, des statistiques, des bases de données commerciales, des publications et participer conjointement à l'organisation d'événements, d'expositions et des tournées des présentations d'affaires. Aux côtés de la Société nationale d'électricité, l'Agence nationale pour la promotion des investissements a eu une séance de travail avec les responsables des Aqua Power, une firme spécialisée dans la production et fourniture d'énergie électrique. Les deux parties ont échangé des informations et pris des rendez-vous pour un possible investissement en République démocratique du Congo. Une initiative à louer, les lignes maritimes congolaises vont bientôt s'installer à Nairobi au Kenya. Une délégation de cette entreprise congolaise conduite par son PCA Lambert Mende séjourne dans ce pays pour des contacts éventuels avec les différents acteurs. Sur le sol kényan, à Nairobi, la délégation des lignes maritimes congolaises a eu une séance de travail avec la délégation de l'ambassade de la RDC au Kenya, conduite par Charlotte Melanga Omoy, chef des missions diplomatiques. Des échanges sur l'ouverture prochaine du bureau de représentation et de lancement des activités dans tous les ports africains par où transitent les cargaisons destinées à la République démocratique du Congo. D'une ville à une autre, à Mombasa, la délégation des lignes maritimes congolaises a tenu dans la matinée du jeudi 21 octobre une séance de travail à laquelle ont pris part les autorités portuaires, les transitaires et les opérateurs économiques. Des échanges ont tourné principalement autour des activités des lignes maritimes congolaises. Être sur tous les ports par où transitent les cargaisons congolaises est un droit reconnu aux lignes maritimes congolaises et qui entre dans le cadre de la relance de cette société, a fait savoir le président du conseil d'administration, Lambert Mende Omalanga. Nous souhaiterions avoir leur collaboration, leur coopération dans la mise en œuvre de cette disposition et inviter ceux d'entre eux que la chose intéresse à pouvoir travailler en synergie avec eux, avec nous. Et dans l'après-midi du même jour, la délégation des lignes maritimes congolaises a échangé avec le responsable portuaire de Mombasa avant d'être convié à une visite guidée dans les installations du port de Mombasa. Le directeur général des lignes maritimes congolaises, Cédric Tizainga, contre-élevé les défis de voir les lignes maritimes congolaises représentées dans tous les corridors desservant la République démocratique du Congo. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Mais avant de vous quitter, voici le rappel de titre. Il est utopique d'envisager le développement de communautés du monde ainsi que de nations sans l'implication de la femme, a martelé Denis Onyekerouchi, ce qui est lié à la troisième édition du Forum économique Turquie-Afrique. La première dame de la RDC a axé son intervention à ses assises sur l'entrepreneuriat féminin. C'est connu, les élections de gouverneurs auront lieu selon le calendrier publié par la CENI le 3 décembre 2021. La province de l'Outouri, sous état de siège, n'est pas concernée. Mesdames et messieurs, encore une fois, merci de nous avoir suivis et passez une excellente journée dominicale chez vous.